Yo les gens, on se retrouve pour la suite de Nekopara, volume 1, trial version. Donc pour l'épisode 3 et peut-être le dernier, l'avant-dernier. Donc ben, on va commencer tout de suite, hein. Chapitre 1, hop. S'il veut bien... Ah voilà. Et c'est parti. I still can get the hold of her. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? J'ai checké l'horloge. Il était déjà passé 10 heures. J'ai déjà essayé de nombreuses fois d'appeler Shigure, mais elle n'a jamais répondu. Mais ça suffit comme ça, je suis déjà en retard. Je n'ai jamais... Non, j'ai jamais mis si long. Ouais, non, je passe. Je ne comprends vraiment pas ma famille. Je sais pas ce que ça veut dire, schedule. Alors là, j'ai jamais entendu ce mot. Je l'ai même jamais vu sur mes copies de bac blanc, alors... Pour vous dire... Je l'ai senti venir, mais j'ai quand même badé. Putain... Allez, on la relance. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas lavé ensemble. Vous voulez que je vous lave... Si je lavais votre dos? Cet épisode commence bien. Oh les yeux! Vous ne vous êtes plus lavé avec nous depuis que nous sommes matures. Maître, vous êtes un pervers. En même temps, tu m'étonnes, hein. C'est un peu ce que tout le monde fait avec ses frères et sœurs. C'est un peu normal en fait. Apprends un peu la culture humaine. Enfin, personnellement, je me lavais pas avec mes sœurs, mais... Bref, on s'égare là. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vois pas ce que vous voulez dire. J'arrive pas à traduire la première phrase en fait. Mais en gros, il fait semblant de pas savoir. Mi what? Miaou? Putain, elle fait un miaou en même temps qu'un what. Waouh. Mais qu'est-ce que vous racontez? Shigure-chan a dit à Chocolavania qu'on était déjà des belles, élégantes cat ladies.
Ces mots sont du harcèlement sexuel. You are trampling, je sais pas ce que je veux dire, mais en tout cas, sans doute vous perdez votre dignité, enfin vous menacez votre dignité. Quelque chose me dit qu'il n'y a pas la dignité qui fait s'en aller façon. J'ai rien dit. Mais ces chocolats. C'est. Identité de chocolat qui vous. What? Identité de chocolat. Non, ça doit pas être identité. Mince. Je sais pas s'il y a des synonymes à identity, parce que l'identité qui vous parle, c'est... Bon, bah, on passe. Encore. Vanilla ne change pas de sujet. En aucun cas, je m'inquiète à propos de votre bain. Vous n'avez qu'à faire comme à la maison. Ah non, vous allez rentrer à la maison. Quoi? Nous allons rentrer à la maison? Mais la maison de chocolat n'est pas la maison de maître? Oh non, je vais repartir dans ces débats. Je suis tout à fait d'accord avec chocolat. Maître est cool. You look... Vous avez un regard étrange. Enfin... Ne feintez pas l'ignorance, vous deux. Vous savez de quoi je parle. Elle me re... Ces deux-là me regardaient d'une manière pour essayer de me distraire encore. Une fois que Shigure aura répondu, vous allez rentrer tous les deux à la maison. So get ready to leave. So go get ready to leave. Soyez prêts à partir, mes amis. Adios, amigas. C'est censé être un soupir, ça? J'arrête. Oh non. Chocolat Vanilla se sont pivotés et de... On détournait le regard et... Bah, ils ont fait le bruit chelou de tout à l'heure. Retourner à la maison n'était... le même jour que j'ai déménagé... C'était une stupide... Oh là là, je suis perdu là. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Bon, en gros, rentrez chez vous. Retournez avec Shigure. Moi, je veux pas de vous ici. Chartez. Zou. Ce n'est pas le temps pour des excuses. Je regardais Chocolat et Vanilla et je leur ai caressé la tête en silence et j'ai continué. Écoutez-moi, vous deux. Je vais ouvrir ma pâtisserie. Et je ne veux pas que vous allez que vous tournez en rond partout. I've got no one. Ou en gros, pitié, faites que j'aurai des meilleures notes en anglais. I've got no one to rely. C'est le relay qui m'emmerde en fait là. Bon, tant pis, on va passer, hein.
Bon, je vais y aller. Je ne veux pas savoir ce que vous faites toutes les... Je veux savoir ce que vous faites. Je voudrais que vous faites attention toutes les deux, d'accord? Enfin, Gatit compris. Ah oui, au fait, la dernière fois, je vais chercher. C'est bien un backlog pour remonter aux discussions. Hop. C'est déjà assez difficile de gérer ça moi-même. Non. Coupe en pleine phrase, non. C'est une petite voix toute douce que j'ai entendue. Chocolat a dit quelque chose, a murmuré quelque chose. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu, sérieux? Elle paraissait renfermée, enfin calme. Non, je vais garder mon calme et je vais demander de répéter. Mon Dieu, ces effets! Oh putain, comment elle a gueulé! Ah, mes oreilles! Je crois que je baisserai le son du jeu la prochaine fois. Ah. Pas question, chocolat ne rentrera pas! Oh, cette animation de ouf! Chocolat déteste le maître pour ce que vous venez de dire. Hein? Attends! Hé! Chocolat! Tu disais Vanilla, j'ai rien compris. Je crois que la deuxième phrase c'est genre un truc que vous pouvez pas rivaliser avec la vitesse des 4 gars. On va passer, hein. De toute façon les sous-titres seront au rendez-vous. Hé, hey, attends, stop! Vania, tu veux aussi courir partout, toi? Venez, venez, maître, chocolat est par ici! Chocolat est par ici! C'est dangereux, arrêtez de courir partout, vous allez tomber, vous faire mal! C'est inutile de s'inquiéter à propos des cat girls, vous savez, les cat... Nous sommes humanoïdes, mais les cat girls sont des chats. Dash, dash! J'adore son petit bruit de dash. Ça, ça, ça! Ça, c'est ça! Peut-être, mais dans le code chocolat, vous ne pratiquez pas d'activité physique? Come on, venez. Ça suffit maintenant, chocolat! Oh putain! Ce jeu. Ah, Master, vous êtes un pervers! Qu'est-ce que vous avez croyez avoir attrapé? Maître a attrapé la poitrine de chocolat d'une main de fer. Ah non, je n'ai pas. C'est parce que vous courez partout tous les deux. Non, une ouverture! Hé, arrête! Arrête de courir partout! Toi aussi, venir! Arrête! Stop! Cet épisode va m'achever. Chocolat, stop! Non mais vraiment... Réaliste, stop! Il se ramasse à la gueule ou quoi?
C'est quoi de ce plan pour emmerder Cachou, quoi? C'est abusé. Nice assist, chocolat. Go, go! Allez, c'est reparti. Sasa! Sasa! C'est sa phrase. Putain, Sasa, quoi. Non, mais tu sais, dans la vie, Sasa, hein. J'ai même plus envie de traduire tellement c'est simple et c'est tellement idiot, quoi. Ils vont encore se chamailler combien de temps? C'est pas possible. Allez, next. C'est de ne m'écouter pas et continuer à faire des bêtises, non, sans blague. Et c'est comme ça que c'est passé la première nuit. Dans ma nouvelle pâtisserie, la soleil. Lol. Le pauvre. Oh mon dieu! Pyjama! Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chocolat, t'as vraiment besoin d'avoir 7 rubans dans tes cheveux. Enfin, tu me diras, Vanilla, 1, 2, 3, 4, 5. La 5 encore, je suis sûr qu'on voit pas tout. Oh mon dieu, combien de rubans là-dessus, quoi? Plus les 3 de devant, quoi. Tain, sérieusement, pourquoi ils sont mis comme ça n'importe comment? C'est quoi de ça? C'est pour la chevelure des chats? Bon, vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous faites des petits rubans à votre chat avant qu'il aille dormir. Hein. Parce que là, je suis pas au courant. Ou même les filles, hein. Parce que je crois pas que les filles m'ont des petits rubans dans leur chat avant de dormir. Hein. Alors là, pff. Bon, maintenant, restez calme. Vous pouvez... Non, maintenant vous pouvez rester, mais seulement pour cette nuit. Mais je n'ai pas de lit ou de futon en plus. Il est... Avec tout ce qui s'est passé, il est déjà... Il est déjà 11h, quoi, juste avant minuit. Il faudrait... Ouais, ben, en gros, il doit aller dormir. Attends, je vais abréger, parce que si je traduis mot par mot, je vais jamais m'en sortir. Donc, j'espère que demain, Shigure... Enfin, demain. Il sous-entend demain, évidemment, puisqu'il est minuit, bientôt minuit passé. Que Shigure va le rappeler bientôt, quoi. Sinon, il sait pas ce qu'il va faire. Faudra qu'ils prennent une décision pour qu'elles rentrent tous les deux à la... Non. Ouais, j'ai décidé que les ramener à la maison était ma première priorité. Mais bien sûr, on va dormir dans le lit de maître. Je suis d'accord pour dormir dans le lit de maître. Ils avaient déjà mis leur pyjama, ça je m'en fous. Ouais. Le problème, c'est dans... Vous aurez trois quarts des light novels où vous avez trois lignes qui servent à rien, sérieux. J'ai même pas envie de les traduire, quoi. Mais c'est pas parce que je suis nul en anglais. Bon, d'accord, si, un peu. Oh, et oh. Pas chipoter. Vraiment... Vous allez dormir là? Mais moi, quoi. Quoi? On peut pas dormir avec vous? Vous nous dites ça de si tard. Enfin, vous nous dites ça maintenant. Matt est un mâle, donc et en gros. Voilà, hein. Elle peut dormir avec vous parce que c'est un mâle. Et ouais, Master is mâle. Ça, c'est la réplique qui tue. Il ne peut pas faire ça avec nous. Alors, pour l'arrangement de la sieste, on pourrait mettre d'abord Maître, puis Chocolat, puis moi. Ouais, bon, bah, Master, ils sont toujours...
En gros, elle est contente de dormir entre Vanilla et le maître. Ça rend Chocolat heureuse. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais dire, vous deux. Je n'ai qu'un seul lit pour trois personnes. Ça va être serré, quoi. Merci, une trou de... Ah, j'ai un trou de mémoire là. Putain. Ah, trou de mémoire. Bon, bah tant pis, sous-titre, je compte sur toi, sous-titre. Non. What? Oh. Ah, je suis pas obligé d'appuyer là-dessus. Oh. Faudrait peut-être que je prenne des miniatures par rapport à la vidéo, je sais pas. Ouais, je verrai plus tard. Peut-être changer un peu les miniatures. Enfin, quoique pour le dernier épisode, c'est un peu trop tard. Oui, bon. En gros, je crois qu'elles disent on va pas se rouler en boule comme font les. Enfin, non, ils vont dormir comme des catgirls, quoi. Enfin. En gros, ils ont pas besoin d'avoir une. Ils ont pas demandé un truc de luxe et tout. Nous sommes des cat girls modèles. On peut dormir où vous voulez. Enfin. C'est. J'ai regardé les deux. J'ai pas compris là. What, c'est quoi ce zoom sur le mur? Ça fait tellement plus. Vous n'avez qu'à déplacer ça, vous avez beaucoup de boîtes, non? En gros, il y a. Ouais. En gros, je crois qu'elles veulent faire de la place pour qu'ils dorment tous les trois dans la même chambre, mais. Enfin, oh là là. Apparemment, vous pouvez. Oh putain, sous-titres. Je commence à en avoir déjà marre. Ça ferait. C'est quelque chose que font les gens étranges, vous savez. Ah, bah, box. En gros, elle lui a demandé de dormir dans une boîte, un truc dans le genre. Les sous-titres. Franchement, les sous-titres, c'est. C'est bien. Oui, c'est bien les sous-titres. Mais où est-ce que ces 4 girls ont été. Oh bordel, j'en ai marre. Elles l'ont probablement. Ah d'accord. En gros, je crois qu'il disait, mais. Comment ces 4 girls ont eu toutes ces informations? Auprès de qui? Non, petit tel. Probably read a lot of books and watched. Elles ont sans doute lu beaucoup de livres et regardé la télé dans la chambre de Shigure. Chocolat n'est pas doué avec les caractères kanji. En même temps, les kanji, c'est. C'est les kanji, hein. Romaji, Kanji. Soit l'un, soit l'autre, hein. Mais bon, savoir les deux, c'est mieux. Oui, pour ceux qui se demandent c'est quoi Kanji Romaji, c'est par rapport aux différences d'écriture. Hein. Donc soit avec les sigles, donc à droite. Encore du montage, ouais, à droite. À droite. Avec les symboles, l'écriture des symboles. Et à gauche. Et à gauche. Et à gauche. Comment ça, je rallonge l'épisode? Non. Et à gauche, l'écriture avec la. Avec les lettres normales, quoi. Enfin, normales. Normales pour nous, quoi. Mais bon, voilà. Vous m'avez compris. Oh, faites pas chier. Du coup, elle doit lire des livres à images.
Des zooms? Merci. Ça a servi à quoi dans le scénario? À rien. Oh, j'ai cru pendant un instant qu'ils avaient rajouté des rubans en plus. Ah, d'accord, j'ai compris. Vous deux, vous allez dormir dans mon lit. Après tout, il fait froid lors des nuits d'avril. Dans ce cas, où va dormir Maître? À côté des chocolats? Ouh là là, on voit l'espoir dans ses yeux. L'espoir, et attention, quand je cliquerai sur ma souris, cet espoir sera brisé. Je vais dormir dans le canapé, dans la pièce à vivre, dans le salon. Le sofa ne peut accueillir qu'une personne et l'air conditionné me suffira. Non, laisse les chocolats dormir dans le sofa. What? Elle veut pas que son maître y prenne froid en gros. Finalement, elle préfère. Please, dormez, s'il vous plaît, dormez dans le lit avec Vania, maître. Ce n'est pas très relaxant. C'est assez relaxant dans le sofa. Laissez chocolat et maître dormir. Utilisez le. Je vais laisser. Putain, ils vont se disputer pour une place dans un lit, quoi. C'est abusé ici. Ouais, j'ai passé ma même. C'est un truc de gamin, ça. Sérieux. Genre, il met ses mains sur ses oreilles pour ne plus entendre leur voix agaçante parler pour rien dire, quoi. Écoutez, je vais dormir dans le sofa et vous deux dans mon lit. Point. Ce sont les autres de votre mère. Entendu? Un, deux, trois, quatre, cinq. On en veut cinq sur le chocolat. Un, deux, trois, quatre. On veut que quatre sur Vanilla. Y a pas d'autre ruban en fait. Ils ont mis que ça comme ruban. En tout cas, c'est bien fait. Ils ont vraiment pensé à tout hein, pour leur design. Hein. Par rapport aux oreilles qui s'abaissent comme ça, c'est mignon. J'ai déjà délibéré. Voilà. Ces deux-là me regardaient. Il baillait là. Me regardait. Tout triste, tout net. Mais je n'ai pas hésité. Mais avec hésitation. J'ai caressé leur tête. Comment on dit? Ouais, un adjectif pour dire en s'excusant, quoi. Parce que je vais pas dire. Enfin, je crois même pas que ça se traduit en français, ça. Mais bon, Apollo Getigali, c'est. En s'excusant, quoi. Donc là, c'est genre. Caresser leur tête de manière. De manière enfin, en s'excusant quoi, parce que ça se dit pas en français, je crois. Enfin, ça. Peut-être que ça se dit en français, mais. On s'excuse. Non. J'ai caressé leur tête. Ouais, non, ça doit pas se dire en. Français. Gomenasai. Kochujin-sama. Je dis un 6 sur 10 pour l'imitation. Gomenasai, Kochujin. C'est mignon. Ouais, donc elles avaient l'air. Je sais même pas pourquoi je traduis des entre les phrases inutiles qui servent à rien pour décrire la scène qui se passe devant nos yeux parce qu'on voit les 4 girls et la meuf de la dernière fois qu'on voyait pas sourire, franchement. Ce jeu il gère très mal les dialogues, hein.
Enfin, les pensées plutôt. Les descriptions. Non, parce que là, franchement, si c'est pour nous dire qu'elles ont l'air désolées sur leur visage et qu'il y a des petites larmes, ben. Enfin, les larmes, on les voit pas, mais ça se voit qu'ils sont. Oh, bordel. Leur bouillissance est l'exact opposé de l'effet qu'elle dégage. Oula, je crois que j'ai fait de la merde là. J'ai ressenti un petit. Une sensation de pincement dans mon cœur, dans ma poitrine. Oh, le pauvre. Mais j'ai continué à caresser, machin, sur la tête, pour les rassurer, machin, tada. Allez, venez, allons-y. D'accord. Oh, j'ai vraiment cru que c'était fini. J'ai cru que c'était fini. Qu'en même temps, je vais devoir encore souffrir. Bonne nuit. Et s'il se passe quelque chose, appelez-moi, d'accord? Aïe. Bonne nuit, maître. Bonne nuit, maître. Mais Chocolat utilise un vocabulaire plus soutenu, hein. Est-ce que c'est Kōshūjin-sama? Donc c'est parce que Sama, pour ceux qui savent pas, c'est un truc pour dire un peu l'admiration en fait. C'est quelqu'un que vous trouvez important. C'est voilà, c'est en disant Sama, c'est vous le mettez en haut de l'échelle quoi sociale. Voilà, c'est ça. Mais dire Sama après Master, ça fait un peu extrapoler en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu deux formes de respect. Mais souvent au Japon, juste comme ça, nous on va pas dire Monsieur le Maître quoi. Enfin, ça ferait un peu débile quoi. Oui, et au fait, il y a un mot de vocabulaire, je crois que j'avais oublié dans le précédent épisode. Parce qu'il y a un moment, quand ils disaient que Shigeru était aussi leur maître, ils ont dit Ojo. Parce que. En français, c'est maître et maîtresse. En anglais, c'est master. Hein. Voilà, master, tout court. Donc, au Japon, vous avez peut-être compris, hein, c'est Kōshūjin ou Ojo. Donc, Kōshūjin-sama, Ojo-sama, voilà, bref, c'était le petit instant vocabulaire. Je vous vois demain. Ouais, lui, c'est comme ça, c'est pas bonne nuit, c'est je vous vois demain. Genre, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend demain? Après avoir dit ça, j'ai fait demi-tour et j'ai éteint les lumières de la pièce. Maître. Oh là là, elle est toute gênée là. Chocolat est vraiment désolé. Chocolat vous a causé tellement de soucis. Sa voix douce avait un petit écho. Ouais, un truc comme ça, dans la pièce sombre. Ouais, en gros, il y a encore un petit passement au cœur, c'est ça? Après avoir entendu son machin. Ouais, bref. C'est bon, ça va pour cette nuit. Ne vous inquiétez pas. Allez, au lit. Au pieu. J'ai vraiment agi en fonction de mes émotions. Je me suis plongé dans le sofa. Ouais, donc je suppose que c'est ce truc à droite. Non, c'est même pas ça, c'est le truc à droite. Machin, ouais, il veut dormir. Mes émotions, dadada, ouais, pauvre chouchou. Oups, je passais peut-être le texte trop vite. Ils n'ont pas le temps de mettre les sous-titres.
Hop, je vais mettre là, en bas. Tac. Voilà. Bref. Voilà. En gros, il sait pas s'il agit en fonction de ses émotions, il a dû leur mentir. Ouais, bref, en gros, il regrette ce qu'il a fait, quoi. Bref, ce n'était pas très cool de ma part. Machin, ouais. Arrête de méditer dans tes pensées, bordel. Ouais, demain, je. Ouais, en gros, est-ce que c'est la peine de faire des excuses pour mes actions, tatata, machin. Bref. J'ai fermé mes yeux et attendais de m'endormir. Voilà, bref. Ah, if chocolate was only a blanket. Ah, j'ai plus le temps de traduire le truc du bas. J'étais en train de me réfléchir un tapis? Bon, c'est la fin de cet épisode. Enfin. Bon, ouais. On se retrouve la prochaine fois pour le quatrième épisode. Ciao!